Donc j'en arrive à la dernière leçon que je donne comme professeur en activité au Collège de France, et j'ai décidé dans cette leçon de vous parler de la lumière. Je pense que c'est un sujet qui est approprié pour une chaire de physique quantique, puisque c'est à partir d'interrogations sur la lumière, il y a un peu plus de 100 ans, qu'est née la physique quantique, comme la relativité d'ailleurs, les deux branches de la physique moderne qui ont révolutionné notre façon de voir la nature. Et donc j'ai pensé que ce serait bien de vous parler un peu de cette histoire et de la lumière. En fait, dans la plupart des cours que j'ai faits au collège depuis 15 ans, j'ai toujours parlé de photons, de lumière, d'expériences avec des lasers, ces sources de lumière qui ont en fait révolutionné la physique fondamentale et la technologie au cours des 50 dernières années. Et donc, comme j'ai invité des personnes qui ne sont pas physiciens et même parfois pas scientifiques, j'ai décidé de parler de la lumière de façon assez générale. Donc je vais, à l'occasion de cette réflexion sur la lumière, essayer également de dégager des idées concernant les relations qui existent entre la recherche fondamentale et l'application et l'innovation. Alors je prie d'abord les physiciens de m'excuser parce qu'ils ne vont rien apprendre de nouveau. Et peut-être que les non-physiciens vont trouver ça obscur quand même, parce que le chemin entre, disons, la trivialité d'un côté et l'obscurité de l'autre est assez étroit, et c'est un peu dommage d'être obscur si on parle de lumière, donc je vais essayer quand même d'être assez simple. Ce que je voudrais dire pour commencer, c'est que, évidemment, et ça c'est une trivialité, l'essentiel de l'information que nous recevons du monde nous vient de la lumière. La lumière, c'est grâce à la lumière que vous me voyez. La lumière, elle est émise par des sources lumineuses, qu'il s'agisse du soleil ou de lampes, et elle est transportée sous la forme de grains de lumière qu'on appelle des photons. Et ces photons qui se propagent partout dans l'espace, dont certains sont visibles et d'autres invisibles, transportent une quantité d'informations gigantesques. Et c'est cette information que nous recevons sur notre rétine et que notre cerveau élabore, et c'est avec cela qu'on reçoit notre information sur le monde. Sur le monde proche qui nous entoure, mais également sur l'univers. Ce sont les photons, la lumière que l'on reçoit des étoiles, des galaxies lointaines, ou la lumière invisible sous forme de rayonnement cosmologique qui nous a permis de construire nos théories de l'univers, de comprendre d'où vient l'univers, quelle est son évolution, enfin d'essayer de comprendre et d'avoir des informations à ce sujet. Donc, en fait, l'homme de tout temps s'est posé des questions sur la nature de la lumière. Et c'est des questions sur la lumière qui, au départ, se posaient dans un cadre mythologique ou religieux, ont fasciné l'humanité de tout temps. Je montre ici une fresque, un clin d'œil à mon ami égyptologue. Je ne sais pas ce qu'elle représente exactement, mais on voit le soleil et une personne, divinité ou princesse, qui regarde. Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que les rayons lumineux apparaissent sous forme de grains discrets, une espèce de préfiguration des photons qui allaient être introduits dans la science de façon plus rationnelle quelques 3000 ans plus tard. Donc l'homme s'est toujours reconnu depuis les temps les plus anciens que la lumière joue un rôle essentiel dans l'univers, mais ce n'est que depuis un siècle que nous avons vraiment compris ce qu'est la lumière et la nature des lois qui régissent son interaction avec la matière. Ceci nous a donné des outils technologiques qui ont révolutionné notre vie quotidienne. J'en parlerai plus tard dans cet exposé. Au cours de la chaire de physique quantique depuis 15 ans, je me suis consacré à l'étude de l'interaction entre l'atome et la lumière, de façon à analyser ces aspects fondamentaux et essayer de voir si on peut utiliser certains de ces aspects fondamentaux pour des applications éventuelles, en particulier à la communication ou à l'information quantique. Le cours que je viens d'achever là, tout à l'heure, j'ai fait une rétrospective des 50 dernières années pour essayer de montrer tout ce que le laser, qui est la dernière invention vraiment fondamentale en ce qui concerne la lumière, a permis d'apporter à la physique fondamentale. Et j'ai montré qu'elle avait vraiment révolutionné, c'est un instrument qui avait vraiment révolutionné la physique fondamentale. Aujourd'hui, au cours de cette leçon, je voudrais ajouter quelque chose et parler du laser en tant qu'instrument qui a apporté également des choses à l'innovation, c'est-à-dire à des instruments qui nous servent dans la vie de tous les jours. Et donc, je voudrais conclure par quelques réflexions sur les liens entre la lumière, la recherche fondamentale et l'innovation. Alors, j'ai appelé cette leçon... Qu'est-ce qui se passe ?
réflexion sur la lumière, la recherche fondamentale et l'innovation. Et une bonne raison pour le faire, c'est que cette année a été déclarée année internationale de la lumière et des technologies liées à la lumière. Et donc, c'est une raison de plus, s'il en fallait, pour essayer de parler de lumière. D'ailleurs, je vous indique ou rappelle à cette occasion que le prochain colloque de rentrée du Collège de France sera consacré à la lumière et aux lumières, c'est-à-dire à tous les aspects, disons, physiques ou métaphoriques, que l'on peut mettre derrière ce mot. Donc, pourquoi est-ce que cette année a été déclarée internationale de la lumière? Il y a toujours un côté un peu arbitraire à fixer une année, mais on doit reconnaître que l'année 2015 est une année qui tombe bien par rapport à certains événements. L'UNESCO, en particulier, signale qu'il y a 1000 ans, le savant musulman Al-Hazen a écrit un premier traité d'optique. C'est un traité qui est bien dépassé maintenant, mais il a quand même découvert un certain nombre de choses qui nous paraissent évidentes, en particulier que la lumière n'émane pas de l'œil, mais qu'elle vient du milieu extérieur et qu'elle arrive vers l'œil. Et d'autre part, il semble qu'il était le premier également à faire remarquer que la lumière de la Lune n'était pas émise par la Lune, mais qu'elle était réfléchie du Soleil, et que donc il avait un certain nombre d'idées déjà sur l'optique géométrique. Quelques 800 ans plus tard, en 1815, Fresnel par des très belles expériences d'interférence, introduit ou conforté la théorie ondulatoire de la lumière, et en particulier le fait que la lumière est une vibration transversale. C'est une onde, mais qui oscille perpendiculairement à sa direction de propagation. Et puis, il y a 150 ans, en 1865, Maxwell a vraiment formalisé la théorie de la lumière en établissant ce qu'on appelle les équations de Maxwell, qui ont montré que la lumière était une onde électromagnétique, c'est-à-dire qu'il a unifié, c'était la première grande unification de la physique, les phénomènes qui étaient apparemment disparates, de l'électricité, du magnétisme et de l'optique, dans un jeu d'équations très belles qui ont décrit vraiment ce qu'était la lumière. Et puis, si on va un peu plus près dans le temps, il y a 100 ans, en 1915, Einstein concluait sa période extrêmement féconde en physique par la théorie de la relativité générale, qui est l'aboutissement, en fait, de ses réflexions sur la nature de la lumière, après la relativité restreinte. Et puis, on peut dire aussi que dans le domaine des technologies, dans un autre domaine, l'anniversaire est également intéressant, puisqu'il y a 50 ans, Penzias et Wilson, deux physiciens américains travaillant au Bell Labs, ont découvert par hasard le fond cosmologique de l'univers, le fait que l'univers baigne dans un rayonnement d'ondes radio qui proviennent des premiers temps de l'univers et que ces ondes radio nous renseignent sur la façon dont l'univers s'est formé et la façon dont la matière et le rayonnement se sont séparés quelques 400 000 ans après le Big Bang. Et puis, pour ajouter une dernière date, toujours 1965, c'était le début des technologies laser, les premiers lasers étaient développés, et le physicien chinois Charles Kao a développé les fibres optiques et proposé qu'on pouvait utiliser les fibres optiques pour propager des faisceaux laser. Et donc, on peut dire que c'est le point de départ de la révolution des télécommunications par fibre optique. Donc voilà toutes les raisons qui justifient plus ou moins qu'on célèbre la lumière cette année. Mais évidemment, quand on célèbre un anniversaire comme celui-là, on oublie des gens. Et il y a un physicien que tout le monde connaît qui a joué un rôle important pour expliquer ce qu'est la lumière, en tout cas pour donner une description de la lumière à son époque, c'est Newton. On sait que Newton a écrit un traité d'optique, il n'a pas simplement travaillé sur la gravitation, et qui s'est intéressé à la décomposition spectrale de la lumière. Étant dans une chambre noire avec un petit trou percé dans un volet, il a remarqué que par diffraction, la lumière du soleil qui pénétrait était dispersée suivant différentes longueurs d'onde, allant du rouge au violet. Et dans son interprétation initiale, la lumière était formée de grains. Donc il avait une prémonition des photons, mais sans pouvoir la justifier. Et il n'avait aucune explication sur la propriété qui faisait que les couleurs pouvaient aller du rouge au bleu. Je vais repartir maintenant vraiment de la première théorie complète de la lumière, qui est évidemment constituée par les équations de Maxwell. La lumière est une onde. Maxwell a démontré que c'était une onde électromagnétique, une onde qui était constituée d'un champ électrique et d'un champ magnétique qui oscillent ensemble de concert dans l'espace en se propageant, le champ électrique générant le champ magnétique qui à son tour génère le champ électrique et ainsi de suite. Et cette onde,
elle est caractérisée par sa fréquence, c'est-à-dire le temps que met, plutôt par sa période, le temps que met l'onde à osciller, et puis par sa fréquence spatiale, c'est-à-dire la distance qu'elle parcourt pendant une période, ou encore la distance qui sépare deux crêtes successives de l'onde. Et cette classification des ondes par leur longueur d'onde a donné tout de suite l'explication des couleurs. En fait, les ondes peuvent exister dans différentes longueurs d'onde de différentes fréquences, et le visible, la fenêtre des longueurs d'onde visibles, c'est une toute petite fenêtre dont les longueurs d'onde varient entre 0,4 et 0,8 microns, et dans cet intervalle, on peut étaler toutes les fréquences du rouge au violet. Au-delà du violet existe ce qu'on appelle le domaine ultraviolet, en deçà du rouge, ce qu'on appelle l'infrarouge. À l'époque de Maxwell, ces longueurs d'onde étaient inconnues. Cette lumière, on pouvait dire en quelque sorte qu'il s'agissait d'une lumière noire, d'une lumière invisible, un peu comme la matière noire maintenant dont on ne connaît pas l'origine. La théorie prévoyait l'existence de ces longueurs d'onde et de ces rayonnements, mais ils n'étaient pas détectés. Très rapidement, les développements de la technologie ont permis de détecter ces rayonnements invisibles. D'abord, en 1885, Hertz a réalisé un circuit électrique avec un éclateur qui provoquait des petites étincelles, et à l'aide d'un deuxième circuit, une boucle en cuivre et un deuxième éclateur, il a pour la première fois transmis un signal à distance de plusieurs dizaines de mètres correspondant à la propagation d'une onde radio de très grande longueur d'onde. Et ces expériences ont été d'abord la découverte de l'existence d'ondes invisibles dans le domaine infrarouge, mais également le départ de toute la technologie des ondes radio. 20 ans après, Marconi développait les premiers appareils de radio. De l'autre côté du spectre, en 1895, Röntgen découvrait par hasard que des électrons frappant une cathode métallique émettaient un rayonnement invisible, mais beaucoup plus pénétrant que la lumière, qui pouvait pénétrer les corps. Et cette photo, c'est la première radiographie qui a été prise. C'est la main de Madame Röntgen. On voit la bague ici. Donc il a fait mettre à sa femme sa main dans le faisceau et il a pris la première radio. Et donc vous savez que ces rayons X, comme les ondes radio, ont joué un rôle essentiel en technologie, dans la technologie moderne. Donc je voudrais insister sur le fait que la lumière visible ou invisible est vraiment une source d'informations scientifiques essentielles. Mais au-delà de ça, c'était vraiment le point de départ, ce qui a déclenché une révolution dans notre compréhension du monde. Et je voudrais commencer par parler un peu de l'aspect théorique et de ce que la lumière a apporté dans notre compréhension du monde sur le plan théorique. La question de départ qui s'est posée au jeune Einstein, dès qu'il a eu connaissance des équations de Maxwell vers les années 1900, c'est une question très naïve qu'un enfant peut se poser, c'est est-ce qu'on peut rattraper la lumière ? À quoi ressemblerait la lumière si on pouvait voler aussi vite qu'elle ? Le point de départ du raisonnement d'Einstein était très simple. Les équations de Maxwell disent que la lumière va à 300 000 km à la seconde. Mais quand on spécifie une vitesse, ça n'a de sens que si on spécifie dans quel repère on la mesure. Et donc la question qui se posait, c'est dans quel référentiel, dans quel repère la lumière va-t-elle à 300 000 km à la seconde ? Les physiciens n'en savaient rien, ils avaient imaginé un repère hypothétique qu'ils appelaient l'éther, disant la lumière se propage à 300 000 km par seconde dans l'éther. À partir de là, la question d'Einstein était, mais si je me propage moi-même dans l'éther, est-ce que je peux rattraper un rayon lumineux ? Est-ce que je peux aller aussi vite que la lumière ? Et il arrivait à une contradiction, parce que si on va aussi vite que la lumière, on s'aperçoit que les équations de l'électromagnétisme ne sont plus valables. Et donc, il avait une question qui le préoccupait, et un élément de réponse à cette question lui était donné par Galilée, qui, au XVIIe siècle, s'était également interrogé sur la question du repère. Il avait posé la question, les lois de la mécanique, dans quel repère sont-elles valables ? Et il était arrivé à la conclusion que les lois de la mécanique sont valables dans tous les repères, qu'il n'y a, en d'autres termes, qu'il n'est pas possible, si on est dans un repère qui se déplace à vitesse uniforme, de savoir si on bouge ou si on est immobile. Rien dans les expériences physiques que l'on a, ni dans les sensations physiques que l'on a, ne peut nous le dire. Et nous avons tous vécu cela. Si vous êtes dans un train, à l'époque de Galilée, il n'y avait pas de train, donc il résonnait plutôt sur des bateaux par mer calme. Mais si vous êtes dans un train et que le train se déplace à vitesse uniforme, si vous ne regardez pas par la fenêtre, vous ne pouvez pas savoir si vous bougez. Et si, même si vous regardez par la fenêtre, vous avez parfois l'impression étrange, au moment du démarrage en particulier, que ce sont les autres trains sur les autres quais qui bougent et pas vous. Donc ça, c'est la relativité du mouvement et le fait que les lois de la physique sont les mêmes dans tous les repères quand il s'agit de la mécanique. Et la grande intuition d'Einstein, ça a été de généraliser ça à toute la physique. Et il a dit, puisque la vitesse de la lumière est une loi de la physique, elle doit être valable dans tous les repères. Et donc, c'était le point de départ de la théorie de la relativité restreinte.
Donc vous voyez qu'il a répondu à une question par une réponse très simple, qui est une impossibilité. À partir du moment où on a dit ça, il est tout simplement impossible de rattraper la lumière, puisque la lumière va à la vitesse de 300 000 km par seconde par rapport à n'importe qui. Donc ça, ça a été le point de départ, et c'est aussi intéressant de constater que la physique est souvent exprimée sous forme d'impossibilité. Par exemple, l'impossibilité du mouvement perpétuel, c'est une conséquence des lois de la thermodynamique. L'impossibilité de rattraper un faisceau lumineux, c'est le point de départ de la relativité. Mais les choses vont beaucoup plus loin. Si vous ne pouvez pas rattraper un faisceau lumineux, ça veut dire qu'on ne peut pas combiner des vitesses lorsqu'elles arrivent à des valeurs voisines de la vitesse de la lumière. Si vous prenez deux automobiles, il est très facile de calculer la vitesse que l'on a par rapport à une autre automobile, et on peut la rattraper simplement parce que les vitesses se retranchent lorsqu'on va dans le même sens, et elles s'ajoutent lorsqu'on va en sens inverse. Et cette combinaison des vitesses, elle résulte d'une propriété très simple, qui est qu'une vitesse est une distance divisée par un temps, et il était admis jusqu'à Einstein que le temps était une donnée universelle, valable pour tous les repères, et que le temps était quelque chose, un paramètre absolu. Et à partir de là, si on continue à admettre que le temps est un paramètre absolu, on doit pouvoir combiner les vitesses et on doit pouvoir rattraper la lumière. Le fait qu'on ne peut pas rattraper la lumière indique que le temps dépend de l'observateur, et donc ça introduit tout de suite cette notion essentielle que le temps comme l'espace n'est plus le même dans deux repères en mouvement, et c'est donc la notion de relativité de l'espace-temps, donc qui vient directement d'une constatation très simple, très naïve sur la nature de la lumière. Alors, je ne vais pas vous rentrer dans les détails et écrire des équations. Je vais vous en montrer simplement une, parce que vous la connaissez tous. À partir de là, et par un raisonnement extrêmement simple, Einstein est arrivé à écrire cette équation, donc, qui est sans doute la plus connue de toute la science, E égale mc au carré. Donc, avec cinq symboles, il représente une réalité physique extrêmement profonde avec des conséquences extraordinaires. Elle exprime simplement qu'une quantité de matière au repos, m, contient une quantité d'énergie E qui est égale à m que multiplie le carré de la vitesse de la lumière. Et ça veut dire que lorsque de l'énergie apparaît ou disparaît, c'est que de la masse apparaît ou disparaît. Et dans une réaction chimique ou dans une réaction nucléaire, le produit final, la différence des masses du produit final et du produit initial apparaît sous forme d'énergie. Donc il a rassemblé le concept de masse et d'énergie à partir de considérations sur la lumière. Et c'était a priori... C'est très étonnant que l'énergie, la masse et la vitesse de la lumière apparaissent ensemble dans une formule. Pour des physiciens du 19e siècle, il n'y avait apparemment aucune relation entre ces différentes choses. Et donc, l'idée essentielle, c'est que, d'une part, l'espace et le temps sont liés, et d'autre part, la masse et l'énergie et l'impulsion, je vais vous en parler un instant, sont liés entre eux. Et cette équation, en particulier, a permis de comprendre un grand mystère de la physique au 19e siècle. On ne comprenait pas comment les étoiles, par exemple, pouvaient fournir de l'énergie de façon quasiment éternelle, que les étoiles pouvaient exister sur des milliards d'années, parce qu'on pensait qu'elles allaient épuiser leur énergie très vite. La réponse, c'est la valeur énorme de C au carré. C'est-à-dire que les étoiles perdent de la masse, mais très lentement, elles produisent une quantité d'énergie énorme lorsque les atomes fusionnent, les atomes d'hydrogène fusionnent pour donner de l'hélium. Et donc, cette énergie, c'est celle qui arrive sur Terre sous forme de lumière. Mais là, on arrive à une question... On peut pas répondre, à laquelle on ne peut pas répondre avec cette équation. La lumière transporte de l'énergie, puisque c'est elle qui nous chauffe sur Terre, mais la lumière n'a pas de masse, n'a pas de masse au repos. Comment concilier ça avec cette équation? Alors, cette équation, en fait, n'est pas l'équation complète. La véritable équation, et c'est l'équation la plus compliquée que je vous présenterai dans ce cours, elle relie, pour un système physique, l'énergie, la masse et une quantité qu'on appelle l'impulsion. L'impulsion P, c'est la quantité de mouvement. C'est le produit, à la limite non relativiste, de la masse par la vitesse. C'est la quantité qui indique l'aptitude qu'un corps a à faire changer de vitesse un autre corps au cours d'une collision. Et donc, ce sont ces différentes quantités qui sont reliées les unes aux autres. Et vous voyez tout de suite que si vous prenez un corps au repos, si P est égal à 0, vous retrouvez la formule E égale mc2. Donc, cette formule, c'est la formule qui représente l'énergie contenue dans une masse au repos. Mais si, par contre, la masse est nulle, alors le corps ne peut pas être au repos, il a une impulsion P, et son énergie, c'est l'impulsion que multiplie la vitesse de la lumière, et ça, c'est la formule qui est valable pour la lumière. Et donc, cette équation montre que la lumière de masse nulle transporte de l'énergie et de l'impulsion ensemble. Et ça veut dire qu'elle est capable de pousser des objets, puisqu'elle a de l'impulsion, et en particulier, ceci explique ce qui était connu depuis Kepler, le fait que lorsque des comètes passent au voisinage du Soleil,
la pression de radiation, l'impulsion que la lumière transmet à la matière, pousse la queue de la comète vers l'extérieur de la trajectoire. Cette impulsion, elle explique également, et j'en parlerai un peu plus tard, que la lumière peut fournir de l'impulsion aux atomes, les refroidir, les ralentir et manipuler leur degré de liberté externe. Donc voilà ce que je voulais dire pour indiquer que, à partir de considérations très simples, la suite logique et à partir de mathématiques que je ne peux pas exposer mais qui ne sont pas beaucoup plus compliquées, grâce à l'interprétation physique qu'il en a faite, Einstein a vraiment révolutionné les conceptions de l'espace et du temps. Et ceci a été couronné en 1915 lorsqu'il a essayé d'associer à cela la compréhension de la gravitation. Et il a établi la théorie de la relativité générale, qui était une suite de la relativité restreinte, et qui met en scène deux concepts qui interagissent entre eux. D'un côté, il y a la masse et l'énergie, qui sont équivalents, qui se transforment les uns dans les autres, et cette masse et cette énergie déforment l'espace-temps. Quand il y a une masse importante en un point, l'espace-temps autour de cette masse est déformé, les lignes de plus courte distance ne sont plus des droites, mais deviennent des courbes, le temps ne s'écoule plus de la même façon au voisinage d'une masse gravitationnelle importante. Donc, la masse et l'énergie déforment l'espace-temps, et en retour, cet espace-temps déformé dicte à la masse comment elle doit se comporter. Par exemple, que les planètes doivent tourner autour du Soleil. Et également que la lumière doit être défléchie, puisque la lumière transporte de l'énergie, donc est équivalente à une masse, doit être défléchie par un champ de gravitation. Vous voyez, donc ça, c'est la théorie de la relativité générale. Vous voyez ici un manuscrit d'Einstein où il indique que, d'après cette théorie, des rayons lumineux passant au voisinage d'une étoile doivent être défléchis. Et pour observer ce phénomène, on ne peut pas le faire en plein jour parce que le Soleil masque la lumière des étoiles, mais par contre, au moment d'une éclipse, si on regarde des étoiles dans le fond du ciel, ces étoiles apparaissent dans une direction légèrement différente de ce qu'elles seraient si le Soleil n'était pas là. Et cette différence de direction qui a été observée pour la première fois en 1919 a été la première manifestation expérimentale directe de la théorie de la relativité générale. Donc voilà une première série de considérations extrêmement profondes liées à la compréhension de la lumière. Mais ce n'est pas tout, et la physique quantique est également née de ce type de considérations. On revient à nouveau à Einstein en 1905. La lumière posait une autre question qui était non résolue par la physique classique et qui est extrêmement simple, qui est liée à un phénomène que tout le monde peut observer. Si vous chauffez un corps, à partir d'une certaine température, le corps va se mettre à luire. Si vous chauffez un métal, il va devenir rouge. Et puis, si vous le chauffez davantage, la couleur va évoluer du rouge vers le bleu. Et donc, vous pouvez, en regardant la couleur de ce métal, déterminer sa température. Ce phénomène était bien connu. Et à la fin du XIXe siècle, les appareils qui étaient capables de mesurer l'intensité lumineuse en fonction de la longueur d'onde se sont développés, des photodétecteurs, des bolomètres qui mesuraient l'infrarouge, des appareils qui détectaient l'ultraviolet, et on a commencé à tracer les courbes qui donnent la distribution spectrale de la lumière émise par les corps chauffés, et on a observé une courbe en cloche, du type de la courbe que je vous montre là, à une température donnée, par exemple à 12 000 degrés, le maximum de l'intensité était dans le bleu, et il y a moins de lumière vers le rouge, et moins de lumière si on va vers l'ultraviolet. Et à chaque température, on a une courbe en cloche de ce genre. Ces courbes en cloche, on les rencontre très souvent en physique, ce n'est pas très surprenant. Par contre, ce qui était extrêmement surprenant, c'est que lorsqu'on appliquait les équations de Maxwell et la thermodynamique classique, on n'arrivait pas à une courbe en cloche. On arrivait à une théorie complètement absurde qui montrait que le rayonnement devait diverger, devenir de plus en plus intense lorsque la longueur d'onde diminue. C'est ce que les physiciens appelaient la catastrophe ultraviolette. Il y avait un deuxième phénomène un peu bizarre qui était l'effet photoélectrique. Si vous éclairez un métal avec de la lumière, un électron va être éjecté, mais les propriétés de cet électron éjecté étaient incompréhensibles à partir de la physique classique. Et dans un de ses papiers de 1905, Einstein a en quelque sorte résolu les deux problèmes d'un seul coup en disant « On ne peut comprendre cela que si on admet que la lumière, dont on sait qu'elle est une onde puisque les interférences existent, est également constituée de grains discrets qu'on a appelés ensuite les photons. Et ces photons transportent une énergie. Chaque photon transporte une énergie qui est proportionnelle à sa fréquence, à la fréquence de la lumière, la constante de proportionnalité étant la fameuse constante de Planck. En fait, Planck avait mathématiquement trouvé la forme de cette courbe en introduisant de façon un peu heuristique, sans aller dans le fond des choses de la physique, cette constante qui permettait de retrouver cette courbe. Et comme l'énergie est liée à l'impulsion, un photon
de fréquence nu à une énergie h nu, une impulsion h nu sur c, h sur lambda. Donc l'impulsion est liée à l'inverse de la longueur d'onde. Plus la longueur d'onde est courte, plus le photon a de l'impulsion. Donc voilà, encore, donc, la physique quantique est née de cela. Et quelques années plus tard, un autre mystère toujours lié à la lumière a été résolu, cette fois-ci par Niels Bohr. Ce mystère lié à la lumière, c'est que les atomes absorbent et émettent de la lumière suivant un spectre discret. Si vous prenez la lumière du soleil qui est étalée du rouge au bleu et que vous la faites traverser un milieu qui contient les atomes vont absorber non pas de façon continue, mais vont absorber à des fréquences bien définies. Et vous voyez par exemple que cet atome, je ne sais pas ce que c'est, mais cet atome particulier, il a des raies d'absorption. Il y a une espèce de code barre associé à chaque atome, qui est différent d'un atome à l'autre, mais qui reste le même pour un atome donné, où qu'il soit dans l'univers. Et ça, c'était complètement inexplicable par la physique classique. Et Niels Bohr a introduit le principe de quantification pour les atomes. On est parti de l'idée que l'atome était comme un petit système solaire, avec un noyau au centre, des électrons qui tournent autour. Mais les électrons ne peuvent occuper que certaines orbites, dites quantifiées, et ils émettent et absorbent la lumière lorsqu'ils sautent d'une orbite à l'autre. Et la conservation d'énergie implique qu'en sautant d'une orbite à l'autre, ils émettent ou absorbent un photon d'énergie h nu, tel que h nu est égal à la différence des énergies de l'état initial et de l'état final. Donc voilà, et ceci permet de comprendre le spectre de tous les atomes, à commencer par l'hydrogène. Ceci permet également de comprendre la notion d'interaction résonante de l'atome avec la lumière visible. Les atomes possèdent des niveaux d'énergie qui sont séparés par des intervalles qui correspondent à des photons visibles. Donc de la lumière visible peut être absorbée ou émise par les atomes, et en particulier lorsque je vous parlais de laser tout à l'heure, en faisant absorber convenablement de la lumière laser par des atomes, on peut leur faire échanger de la quantité de mouvement, et on peut en particulier, par exemple, refroidir des atomes. Là, vous avez un petit nuage d'atomes qui émet de la lumière, qui se trouve à l'intersection de faisceaux laser. La pression de radiation du laser permet de concentrer, de condenser les atomes dans une toute petite région de l'espace. Mais il y a d'autres choses qui sont importantes dans ce type d'image. En fait, il existe également dans les atomes des structures, des niveaux d'énergie qui sont très proches les uns des autres. Par exemple, l'état fondamental d'un atome est souvent divisé en sous-niveaux qui ont des énergies très voisines. À quoi est dû ce phénomène? Il est dû au fait que l'électron, comme le noyau, porte de petits aimants, de petits moments magnétiques qui sont à l'origine du magnétisme de la matière et dont je parlerai plus longtemps tout à l'heure. Et suivant l'orientation relative de ces petits aimants, l'énergie de l'atome est légèrement différente. Et donc, vous voyez que ici, par exemple, ces deux niveaux diffèrent par le fait que dans un cas, l'électron et le moment magnétique de l'électron et du noyau sont parallèles, et dans l'autre cas, antiparallèles. Et la différence d'énergie correspondante est toute petite, ça veut dire qu'elle tombe dans le domaine des ondes radio. Ce n'est pas des ondes visibles, ce sont des ondes radio. Et l'interaction des atomes avec les ondes radio est également un phénomène très important, comme on va le voir dans un instant. Donc, la révolution liée à cette notion de caractère discret des photons est encore plus profonde, dans un certain sens, et en tout cas plus contre-intuitive que celle de la relativité, parce qu'elle conduit à donner à la lumière à la fois deux caractéristiques que la physique classique considérait comme étant complètement incompatibles. D'une part, la lumière est une onde, et d'autre part, la lumière est formée de particules. Et l'expérience qui met en évidence ce dualisme d'une façon extrêmement visible, d'une façon extrêmement claire, c'est l'expérience des formes d'Young. Je vous rappelle le principe de l'expérience. Vous avez une source de lumière, par exemple une source d'onde, qui traverse un écran percé de deux trous. Chaque trou donne lieu à des ondelettes qui partent du trou correspondant, et ces ondelettes interfèrent, elles ajoutent leurs amplitudes dans certaines directions et elles soustraient leurs amplitudes dans d'autres directions. C'est d'ailleurs cette expérience au début du XIXe siècle faite par Thomas Young, qui a été l'une des expériences cruciales pour dire que la lumière était une onde. Mais comment expliquer et comprendre cette expérience si la lumière est formée de grains discrets et de particules? En fait, on sait maintenant faire cette expérience avec... je vous montre ici une expérience qui a été faite par Jean-François Roch à l'ENS Cachan il y a quelques années. On peut le faire avec un seul photon à la fois. On peut prendre des sources tellement peu intenses qu'il n'y a à chaque fois qu'un seul photon dans l'interféromètre. Et je vais vous montrer le petit film qui montre comment la figure d'interférence se forme dans ce cas. Vous voyez que les particules commencent par arriver de façon apparemment aléatoire sur l'écran,
Et puis, au bout d'un certain temps, quand suffisamment de particules sont arrivées, la figure d'interférence se forme. On voit effectivement des franges brillantes et des franges sombres. Donc, vous voyez que dans la même expérience, la lumière nous dit « je suis une particule » puisque chaque particule arrive en un point discret, et elle nous dit que statistiquement, je suis une onde puisque statistiquement, je forme des faisceaux d'ondes, des franges brillantes et des franges sombres. Mais dire cela pose une question qui est absolument très difficile à concevoir pour un esprit classique. En effet, réfléchissez, mettez-vous à la place d'un photon, le premier photon qui va arriver. Ce photon, il n'a pas le droit d'arriver sur une frange sombre, puisque la probabilité est nulle. Mais s'il n'arrive pas sur une frange sombre, c'est que les deux fentes sont ouvertes, parce que si vous n'aurez qu'une seule fente, il pourra arriver n'importe où. Autrement dit, le photon, lorsqu'il traverse cet écran, doit, entre guillemets, savoir si les deux fentes sont ouvertes ou non, ce qui exclut la possibilité qu'il soit passé par une fente ou par l'autre. S'il était passé par une fente, il n'avait aucun moyen de savoir si l'autre était ouverte, donc il aurait pu arriver sur une frange sombre. Et donc, interpréter cette expérience conduit immédiatement, logiquement, à l'idée que chaque photon doit passer par les deux fentes à la fois, et ceci conduit au principe de superposition des états. La particule photon, elle est à la fois à gauche et à droite, à la fois dans la fente de gauche et la fente de droite, et ceci se généralise à d'autres systèmes. Ça conduit en particulier à la fameuse image du chat Schrödinger qu'on peut imaginer suspendue dans deux réalités physiques différentes. D'autre part, une autre caractéristique essentielle de cette expérience, c'est que chaque détection est aléatoire. Vous ne pouvez pas savoir où va tomber le premier photon. Tout ce que vous pouvez savoir, c'est qu'il ne tombera jamais sur une frange noire, c'est-à-dire que vous pouvez connaître la probabilité de son arrivée en chaque point, mais vous ne savez pas où il va arriver. Et c'est ce qui faisait dire à Einstein, résumé de façon lapidaire, en physique quantique, Dieu joue au dé. Et Einstein n'aimait pas ça du tout parce qu'il avait un esprit classique. D'après la physique classique, tout doit être déterministe. Or, la physique quantique n'est pas déterministe. D'ailleurs, on peut montrer que l'existence du principe de superposition des états est... le déterminisme sont incompatibles. Si on ne peut pas construire une théorie où à la fois on aurait des superpositions d'états et on n'aurait pas le hasard quantique. Donc on a une théorie qui est extrêmement bizarre et que l'on peut étendre à la matière. De Broglie a montré que, de même que la lumière qu'on considérait comme étant une onde était formée de particules, inversement, des atomes, des électrons, qui étaient classiquement considérés comme des particules, devaient être associés à une onde, avec la même formule que la formule d'Einstein pour les photons. Et ceci a été justifié, montré par de multiples expériences qui montrent que les interférences se produisent exactement de la même façon pour des électrons, pour des atomes, pour des molécules. Donc voilà, la physique quantique est basée sur ce dualisme onde-particule dont la naissance est vraiment venue de considérations fondamentales sur la lumière. La lumière est une onde et un ensemble de photons. Les atomes sont des particules et des ondes de matière, comme a dit De Broglie, et j'aime bien... illustrer ce paradoxe par cet ambigramme. Vous voyez que suivant la façon dont vous allez le lire, en anglais malheureusement, vous allez dire soit la lumière est une onde, soit la lumière est une particule. Et ceci va dépendre de votre état d'esprit. Donc on peut dire que suivant la façon dont vos neurones flashent dans votre cerveau, vous allez voir ça sous une forme ou sous une autre. Alors ce que dit la physique quantique, c'est que ce n'est pas l'observateur qui détermine cela, mais c'est quand même le problème, c'est que ce qui va déterminer l'aspect observé, c'est le dispositif expérimental. Suivant l'expérience que vous allez faire, vous allez forcer le système à se comporter comme un ensemble de particules ou comme une onde, et les deux sont non pas contradictoires, mais complémentaires. Et c'est la fameuse notion de complémentarité introduite par Niels Bohr dans les années 20. Et elle introduit aussi le phénomène, un autre aspect essentiel de la physique quantique, c'est qu'il y a une interaction entre l'objet observé et l'appareil qui permet de l'observer. Et cette interaction conduit à une perturbation qu'on ne peut pas éviter et qui fait justement qu'un aspect ou l'autre va être observé. Alors ça peut vous paraître bizarre, ça l'est jusqu'à un certain point, et d'ailleurs Bohr disait lui-même, si vous n'êtes pas choqué par la physique quantique, c'est que vous ne l'avez pas comprise. Donc c'est une phrase typique à la Bohr, c'est-à-dire qu'on peut la prendre dans tous les sens, et elle est self-contradictoire avec elle-même, et Bohr adorait ce genre de déclaration. Ce qui est remarquable, c'est qu'il disait toujours des choses qui étaient parfois compliquées, mais lorsqu'on les analyse vraiment, il avait raison. Alors que Einstein, qui détestait au fond les idées quantiques, comprenait parfaitement la théorie, mais se refusait à admettre que c'était la réponse finale que la nature pouvait poser.
qu'on pouvait trouver pour expliquer les phénomènes de la nature. Donc voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin en termes d'équations. Mais il est clair que tout ce que je vous dis là n'a de sens pour un physicien que s'il est capable de calculer, et en particulier de calculer la distribution de probabilité quand on fait une expérience. Et la physique quantique introduit une quantité qu'on appelle l'amplitude de probabilité, une fonction qui, pour une particule, dépend de la position et du temps. C'est ce qu'on appelle la fameuse fonction psi, la fonction d'onde. Et Schrödinger, en 1926, a formalisé la physique quantique en établissant l'équation qui décrit la propagation de cette onde de probabilité. Un peu l'équivalent des équations de Maxwell, mais non pas pour le champ électromagnétique, mais pour l'onde de probabilité qui permet de faire des mesures. Alors, je ne vous demande pas de comprendre cette équation. Je l'écris simplement pour vous montrer deux choses. D'abord, qu'elle est simple. Mathématiquement, elle s'exprime par des symboles simples. Toute la physique du système est cachée dans cette lettre H, ce symbole mathématique qui représente, qui décrit les forces, la nature des forces qui interagissent entre les différentes particules du système, etc. La fonction d'onde est ici psi, et elle évolue dans le temps sous l'effet des forces qui sont cachées à l'intérieur de H. Alors cette équation, c'est vraiment une équation fondamentale qui explique par exemple toute la chimie, la façon dont les atomes interagissent pour former des molécules. Dirac disait, on n'a pas besoin de faire de la chimie, hein, je m'excuse auprès des collègues chimistes, mais toute la chimie est contenue dans l'équation de Schrödinger. En fait, cette équation avait quand même un défaut, c'est qu'elle n'obéissait pas à la théorie de la relativité. Pourquoi ? Pour une raison très simple, vous voyez qu'elle particularise le temps. Le temps joue un rôle spécial. Dans cette équation, le temps est un paramètre comme dans les théories de Newton. C'est un paramètre inchangeable, valable pour tous. Or, on sait que ce n'est pas possible. Et donc, 2 ans après Schrödinger, Dirac a marié la physique quantique à la relativité en établissant ce qu'on appelle l'équation de Dirac, qui est l'équation qui satisfait au principe de relativité et qui décrit le comportement d'un électron, même quand sa vitesse est proche de la vitesse de la lumière. Encore une fois, je ne vous demande pas de détailler ce qu'il y a dans cette équation, de la comprendre. Elle fait intervenir la constante de Planck, donc c'est quantique. Elle fait intervenir la vitesse de la lumière, donc c'est relativiste. Et l'indice mu peut prendre 4 valeurs possibles. Et ces 4 valeurs, c'est les propres variables d'espace, x, y, z et le temps t. Et vous voyez qu'en l'écrivant comme ça, il fait jouer à l'espace et au temps un rôle symétrique. Donc c'est une équation qui symétrise l'espace et le temps, qui tient compte de la relativité et qui, au moins pour un mathématicien, je ne sais pas s'il y en a ici, elle est belle au sens qu'elle a une certaine beauté, pas seulement parce qu'elle fait intervenir des symboles grecs, mais parce qu'il y a un caractère cyclique des symboles. Lorsque le symbole se répète, il faut sommer sur les symboles répétés. Et ça me permet de dire que Dirac, en fait, était motivé par ce sens de l'esthétique. Il disait que pour qu'une théorie soit vraie, il faut qu'elle soit belle. Et donc, ce qui l'a conduit à établir cette équation, c'est en particulier des réflexions de nature esthétique. Mais en fait, il ne suffit pas que la théorie soit belle, il faut qu'elle soit vraie et qu'elle satisfasse et qu'elle prédise des choses. Et cette équation a en fait prédit des choses qui n'étaient pas contenues au départ dans elle. Elle a en particulier prédit l'existence de l'antimatière. En fait, parmi les solutions de cette équation, on trouve qu'elle est satisfaite non seulement par l'électron, mais par une particule qui est le miroir de l'électron, qui est une particule qui a la même masse que l'électron, mais une charge opposée. Et ce que indique cette équation, c'est que lorsqu'un électron rencontre un positron, eh bien, les deux s'annihilent en produisant une quantité d'énergie sous forme de rayon gamma énorme. Et ce positron qui était simplement impliqué dans l'équation de Dirac a été découvert quelques années après expérimentalement. De la même façon, on a découvert expérimentalement que le proton avait une antiparticule, l'antiproton, le collisionneur du CERN, réaliser des expériences en faisant entrer en collision des protons et des antiprotons. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que tout ça, c'est parti de considérations sur la lumière, et ça a conduit à ouvrir un monde énorme qui n'a plus rien à voir avec la lumière, qui a à voir avec la lumière, mais qui est beaucoup plus large. Le positron, c'est une particule élémentaire qui a été découverte à partir de cela. On en a découvert bien d'autres ensuite, et dans les 90 dernières années, la physique des hautes énergies a explosé, mais elle obéit à ces principes quantiques. Et donc, je termine là la première partie importante de cette leçon où je voulais montrer le lien, l'importance de considérations purement théoriques pour comprendre la nature du monde. Dans une deuxième partie, je voudrais maintenant parler un peu plus de l'innovation et surtout du lien entre la recherche fondamentale et l'innovation et insister sur le fait que ce lien est souvent imprévisible, imprédictible.
serendipitous, comme disent les anglo-saxons. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Donc, je voudrais montrer que les applications de la physique, de la relativité et de la physique quantique, qui n'avaient pas du tout été perçues ou même imaginées par les fondateurs de la théorie, sont venues de considérations théoriques. Et je vais prendre pour ça un exemple issu de la physique atomique, qui est le point de départ est une expérience faite par le physicien allemand Otto Stern, qui travaillait à Hambourg au début des années 20, et qui était une expérience de physique purement fondamentale, de physique atomique. On commençait à comprendre la structure des atomes, donc la théorie de Bohr avait une dizaine d'années, et on commençait à comprendre que les atomes devaient porter des moments magnétiques. En fait, l'histoire du moment magnétique des atomes, elle commence ici au Collège de France, en un certain sens. Les atomes, ce sont des petits circuits électriques, les électrons qui tournent, et le fait que des courants électriques produisent et interagissent avec des champs magnétiques, Ampère l'avait observé et l'avait décrit dès les années 1815-1820. Donc il s'agissait d'appliquer en fait les idées d'Ampère qui avaient été actualisées par Maxwell au comportement des atomes, et donc les physiciens pensaient qu'il y avait des petits moments magnétiques dans les atomes. Et pour les mesurer, Stern a imaginé une expérience très simple, un four qui chauffe des atomes d'argent. Les atomes d'argent sortent du four sous forme de vapeur et de jet atomique qui se propagent en ligne droite, et on détecte ce jet atomique sur une plaque photographique. Il laisse une trace noire, un peu comme le développement d'une plaque photo. Et puis, il faisait passer ces atomes d'argent dans l'entrefer d'un électroaimant qui crée un gradient de champ, un champ magnétique variable. Et son idée était, s'il y a des moments magnétiques, ils vont être défléchis par l'aimant, et donc ils vont donner une tache étalée. Il s'attendait à avoir une tache étalée qui dépend de l'orientation de ce moment magnétique par rapport au gradient de champ. Et sa surprise, ça a été de voir qu'il n'y avait pas une tache étalée, mais qu'il y avait deux taches discrètes. What was actually observed. Et ça a été la première manifestation de la quantification du moment magnétique. Le moment magnétique d'un électron ou d'un atome, en fait, il se trouve ici que c'est le moment magnétique des électrons de l'atome d'argent, peut prendre la valeur plus ou la valeur moins. On appelle ça le spin. Le spin de l'électron peut pointer dans une direction ou dans l'autre, mais pas dans n'importe quelle direction quand on le mesure. Donc cet appareil sépare les spins pointant vers le haut des spins pointant vers le bas. Et ça, c'était une grande surprise. D'autre part, ces niveaux d'énergie sont séparés par des toutes petites fréquences. La différence d'énergie est faible. Donc on s'attendait à ce que, pour basculer ce spin, il faille appliquer des fréquences radio. Alors, là, j'anticipe, à cette époque-là, il n'y avait pas d'appareil pour faire ces expériences de radio. Tout ce qu'ils voyaient, c'était deux tâches. Et en fait, ce n'était pas vraiment deux tâches. Le vrai signal expérimental que je montre ici, comme son jet atomique était un jet aplati, il voyait en fait deux nappes avec une séparation entre les deux. Et ça, c'est vraiment le premier signal qui montre la quantification du moment magnétique. Alors, ce que je voudrais dire, et ça va être pratiquement la fin de cet exposé, c'est que cette simple trace annonce un grand nombre toutes les révolutions technologiques du XXe siècle. Alors, comment est-ce que l'histoire a continué? En fait, Otto Stern a pris comme postdoc un physicien américain, Isidore Rabi, qui était très jeune à l'époque, donc il était allé voir Stern en 1922, qui a appris la technique des jets moléculaires, des jets atomiques, et qu'il a importé, quand il est revenu aux États-Unis, à l'Université de Columbia. Et il a commencé à développer des expériences de jets atomiques. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris l'expérience de Stern, mais il l'a un peu compliqué, ou plutôt enrichi. Donc il a une source, un four qui peut produire des atomes ou des molécules. Il réalise dans les zones A et B des gradients de champs magnétiques opposés, de façon à ce que la trajectoire de ces atomes suive une courbe en forme de S. Et il détecte les atomes sur ce détecteur. Entre les deux, il existe une zone intéressante où il va appliquer un champ de radiofréquence pour faire basculer le spin. Si le spin bascule, il ne sera plus dans le bon état et il va rater le détecteur. Et donc, en observant le signal détecté, en fonction de la fréquence de radiofréquence appliquée dans cette région, il va observer un signal de résonance qui va être observable dans un champ magnétique donné en variant la fréquence ou à une fréquence donnée en variant le champ magnétique. Et cette résonance-là va lui permettre de mesurer les moments magnétiques, non seulement des électrons, mais également des noyaux qui sont portés par les atomes. Et il va ainsi développer toute une école de physique où il va mesurer systématiquement les moments magnétiques des noyaux des atomes. Et il a créé donc dans les années 30
une école à Columbia qui a eu de nombreux élèves, dont on parlera de certains de ses élèves par la suite, qui a vraiment fait les découvertes qui allaient conduire à l'IRM, au GPS, au laser, etc. Et je vous donne ici les dates. Rabi a vécu assez vieux, donc il est mort à 90 ans. Il n'est pas très connu du grand public, je crois, mais c'était vraiment l'un des grands physiciens du XXe siècle, pour les raisons que je vais vous développer. En fait, en 1988, nous avons eu une conférence de physique atomique à Paris que j'avais organisée. On avait invité Rabi, et malheureusement, il est mort quelques mois avant la conférence, donc il n'a pas pu venir à Paris à cette occasion, mais la conférence lui a été dédiée en 1988. Donc, en quoi est-ce que ça... Qu'est-ce que ça a apporté ? Rabi avait vraiment la vision des choses. Il s'est dit, si les molécules ou les atomes nommés G-atomiques portent un moment magnétique, tous les atomes qui constituent la matière de n'importe qui doivent porter des moments magnétiques. Et si on est capable de faire basculer ces moments magnétiques avec des champs de radiofréquence, on doit pouvoir le faire dans d'autres conditions. Et il a exposé ses idées dans une conférence en 1939 qui a été reprise par les journalistes. Et voilà une prémonitoire. Donc un journal, le New York Post, décembre 39. Nous sommes tous des stations de radio, déclare un professeur de Columbia, et il dit chaque être vivant sur la Terre est une station de radio qui émet et qui reçoit de façon inconsciente des ondes de grande longueur d'onde. Effectivement, c'est inconscient. Je ne pense pas que vous êtes conscient du fait que vous rayonnez des ondes radio, mais elles existent puisque quand vous vous mettez dans une machine IRM, ce sont ces ondes radio qui permettent de savoir si vous portez bien ou non, en particulier. Donc, mais à l'époque, en 1939, il était impossible de les détecter, de les absorber avec suffisamment de sensibilité, parce que les générateurs d'ondes radio, les détecteurs d'ondes radio étaient trop primitifs. En fait, la Seconde Guerre mondiale a joué un rôle essentiel pour le développement de ces appareils, en particulier le développement des radars. Et les grands physiciens de Columbia sont allés travailler pour le laboratoire de MIT qui développait les radars pendant la guerre. Et après la guerre, ils sont revenus avec une expertise extraordinaire dans le domaine des radiofréquences, et c'est là que s'est développée cette physique. En particulier, deux jeunes physiciens de l'époque, Félix Bloch, qui était réfugié d'Europe, et Ed Purcell, l'un à Stanford, l'autre à Harvard, ont appliqué la résonance magnétique non pas à des jets, mais à des atomes, des molécules dans des solides, dans des liquides. Le principe est très simple, vous avez un échantillon qui contient un liquide ou un solide avec des atomes qui portent des moments magnétiques dedans. Vous avez un générateur de radiofréquence qui envoie un champ de radiofréquence à l'aide de cette bobine et le tout est placé dans un champ magnétique. Les moments magnétiques se mettent à résonner et ils tournent et ils émettent un champ qui est détecté par cette antenne, ici cette bobine qui joue le rôle d'antenne, et on balaye la fréquence du générateur et on observe des signaux à des fréquences déterminées. Ces signaux constituent une espèce de signature de l'élément que l'on étudie à l'intérieur de l'échantillon. De plus, la largeur de ces raies, la position de ces raies dépend de l'environnement. Si au voisinage d'une molécule ou d'un atome donné, il existe d'autres atomes à une distance déterminée, ces atomes vont perturber les raies et donc on peut se servir d'atomes comme sonde des champs magnétiques ou des champs électriques internes de la matière. Et donc cette résonance magnétique nucléaire a joué un rôle énorme et s'est développée dès les années 45. L'un des grands physiciens en France qui a travaillé dans ce domaine, c'est Anatole Abraham, qui était professeur au Collège de France. Et cette résonance magnétique est devenue un outil essentiel de la physique, de la chimie et de la biologie, et des applications dans tous ces domaines, et en particulier à la médecine. Et donc je voudrais parler de l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique. Vous savez que pour faire de l'IRM, il faut d'abord un champ magnétique intense. Donc ce champ magnétique intense, il est produit par des bobines supraconductrices à très basse température, donc avec un énorme dioire à hélium. Ça explique pourquoi il faut vous enfourner dans ce système pour prendre votre image. Et puis, elle est basée sur le fait que notre corps est plein de molécules d'eau. Ces molécules d'eau portent des atomes d'hydrogène. Ces atomes d'hydrogène ont des spins qui précessent dans un champ magnétique. Quantiquement, ça veut dire que dans un champ magnétique, les deux niveaux de spin sont séparés par une distance proportionnelle au champ magnétique et qu'on peut induire la transition avec des radiofréquences dont la fréquence satisfait à cette condition. Et donc, si on combine tout ça, la diffusion des radiofréquences de fréquences variables dans un champ magnétique inhomogène permet de cartographier l'intérieur du corps. Alors, sur le transparent suivant, j'essaye d'expliquer un peu plus comment ça marche. Vous placez votre corps dans un champ magnétique inhomogène qui dépend de l'espace. Vous avez
En certains points, le champ est tout petit, notre point est un peu plus grand, notre point est encore plus grand. Prenons des atomes d'hydrogène situés dans ces trois points. Les atomes d'hydrogène qui sont à gauche vont résonner à une fréquence que j'ai représentée ici en rouge, c'est une fausse couleur, mais c'est une fréquence radiofréquence très basse. Les atomes qui sont ici vont résonner avec des radiofréquences de fréquence un peu plus grande, les atomes là avec des radiofréquences plus grandes. Supposez que vous éclairez maintenant, vous envoyez une radiofréquence qui contient ces trois fréquences à la fois. La fréquence petite, moyenne et grande. Les atomes qui sont à gauche vont résonner avec à la fréquence rouge, les atomes qui sont au milieu vont résonner à la fréquence je ne sais pas quelle couleur, et puis les derniers atomes vont résonner à la fréquence bleue. Et donc, suivant leur position, ils vont envoyer des rayonnements de fréquences différentes. Si vous placez maintenant une grande antenne radio qui détecte et qui est capable de séparer les fréquences, vous allez avoir des signaux qui vont vous indiquer combien il y avait d'atomes à gauche, combien il y avait d'atomes au milieu, combien il y avait d'atomes à droite. Bien sûr, il faut des ordinateurs très puissants pour transformer ces signaux abstraits en images, mais c'est ce que fait la résonance magnétique, l'imagerie par résonance magnétique. Et on peut, à partir de là, par exemple, faire des images très impressionnantes et intéressantes du cerveau. Cette image, elle représente ce qui se passe lorsqu'on pense à quelque chose, lorsqu'on se livre à une action déterminée. Elle combine l'imagerie par résonance magnétique à ce qu'on appelle l'imagerie fonctionnelle. C'est-à-dire que lorsque le cerveau s'active, certaines régions du cerveau demandent davantage d'énergie et donc un apport de sang. Les vaisseaux sanguins procurent davantage de sang dans ces régions. Le sang transporte de l'hémoglobine qui transporte du fer, qui modifie le champ magnétique. Et donc les signaux de résonance magnétique sont modifiés dans ces régions-là. Et on peut ainsi observer les régions du cerveau qui s'allument et qui s'activent sous l'effet d'une pensée ou sous l'effet d'une action. Et ceci se développe actuellement, non seulement pour la médecine, mais pour la recherche. Et je vous signale en particulier un livre qui m'a beaucoup intéressé récemment. On peut commencer à étudier scientifiquement l'émergence de la conscience, un livre qui s'appelle « Le code de la conscience », simplement en analysant ce type de signaux de résonance magnétique nucléaire. Donc voilà une première grande application qui est venue de façon complètement inattendue. Purcell et Pound n'avaient pas du tout pensé à l'imagerie par résonance magnétique. À leur époque, on ne pouvait pas faire de champ magnétique intense, il n'y avait pas d'aimant supraconducteur, il n'y avait pas d'ordinateur pour interpréter les images. Ils ont vécu assez vieux, jusqu'à la fin, début des années 80, pour voir ces développements, et ils étaient vraiment émerveillés par les développements qu'avait pu permettre cette imagerie. Donc, c'est vraiment un aspect important que je voulais souligner, des liens entre la recherche fondamentale et les applications. Une autre application essentielle des travaux de Rabi, ça a été l'amélioration extraordinaire dans la précision de la mesure du temps. Et là encore, Rabi avait été prémonitoire. Dans les années 40, il avait dit « Mégers atomiques, ça doit pouvoir servir à fabriquer des horloges qui vont mesurer le temps avec une précision extraordinaire. » Alors, je rappelle un petit peu comment s'est fait la mesure du temps au cours des temps. Au XIVe siècle, on utilisait des horloges à tours. Il y avait un pendule de torsion avec un élément qui tournait, que vous voyez ici, et puis le tout était relié à une roue dentée avec des dents asymétriques pour enregistrer le nombre d'oscillations. Au XVIIe siècle, ce dispositif était considérablement amélioré avec le pendule, à la suite des travaux de Galilée et de Huygens. Le pendule, c'est toujours le même principe, donc une oscillation régulière et un échappement avec des roues dentées qui permet de compter le nombre d'oscillations et de lier ça à une aiguille. Et puis il y a également un poids qui tombe pour entretenir l'oscillation. Au XVIIIe siècle, on a remplacé le pendule par un ressort et on a construit les premières horloges à ressort, les premières montres à ressort et en particulier les premiers chronomètres de marine. En fait, le développement de ces horloges était lié à une application. La marine anglaise avait besoin de développer des chronomètres pour pouvoir mesurer les longitudes avec précision. Pour mesurer la longitude, il faut pouvoir comparer le temps à l'endroit où on se trouve, au temps du port de référence qui était par exemple Liverpool en Angleterre, et il fallait savoir quel était le temps à Liverpool pour mesurer la différence de temps, donc le jet lag entre Liverpool et l'endroit où on se trouvait, et pour ça il fallait mesurer le temps avec précision. Il était impossible de transporter sur des horloges, sur les bateaux des pendules. Galilée avait essayé et ça s'est terminé de façon catastrophique, donc le temps ne pouvait pas être conservé, il fallait des petites horloges, et Harrison a développé des horloges, des chronomètres de marine qui ont permis, par exemple, à Cook de faire le tour du monde avec une horloge qui n'a pas perdu plus de quelques secondes sur plusieurs mois. Donc, il avait une précision remarquable.
Il a fallu attendre le XXe siècle pour le progrès suivant, qui était l'horloge à quartz, donc les vibrations d'un quartz obéissant à l'effet piézoélectrique, donc qui avait été découvert en 1880 par Pierre et Jacques Curie, le fait que l'exercice d'une petite pression sur un cristal de quartz génère des charges électriques, et donc la vibration mécanique peut être transformée en vibration électrique qu'on peut compter. Et donc ça a été un progrès considérable, mais vous voyez que ça a mis plusieurs siècles. Le principe de toutes ces horloges, c'est le même, il faut un oscillateur couplé à un mécanisme d'échappement qui compte les périodes. Et l'incertitude, alors, elle était pour les horloges du 14e siècle 10-2. 10-2, ça veut dire 1%, ça veut dire un quart d'heure par jour. Donc chaque jour, il fallait remettre l'horloge à l'heure parce qu'elle décalait par rapport au soleil facilement de 10 minutes, un quart d'heure. Galilée et Huygens, c'était déjà mieux, c'était de l'ordre de 10-4, c'est-à-dire les meilleures pendules font quelques, disons, la minute ou 30 secondes par jour, c'est déjà pas mal. Elles sont sensibles à la dilatation thermique du pendule, etc. Les horloges de Harrison, 10-6, je vous dis quelques secondes par mois, c'est déjà extraordinaire. Et l'horloge à quartz, c'est 10-8, c'est la seconde par an. Alors je me souviens, lorsque j'étais enfant dans les années 50, avoir une montre à quartz et se dire qu'elle peut garder le temps, c'était pas une seconde par an, mais une seconde par jour, on trouvait ça mais absolument fantastique. Alors ce que je voudrais vous dire en conclusion, c'est qu'il y a eu beaucoup moins de progrès pendant ces 6 siècles que dans les 50 dernières années, en puissance de 10, comme vous allez le voir. Parce que bon, la première horloge atomique, suivant les idées de Rabi, a été développée dans les années 50, et elle se base sur le fait que l'oscillation des électrons dans un atome est beaucoup plus régulière que celle d'un pendule, d'un ressort ou d'un quartz. Et donc, pour la mesurer, on fabrique un jet atomique, toujours avec les mêmes méthodes que la méthode de Stern ou de Rabi. La seule innovation, c'est que maintenant, les atomes traversent deux zones où on applique les ondes radio séparées dans l'espace. Et cette méthode des champs séparés qui avait été inventée par Ramsey, qui était un élève de Rabi, a conduit à l'apparition de résonances qui sont beaucoup plus fines, avec une structure de résonance très très fine qui permet de centrer, de positionner le centre de l'arrêt avec une précision extraordinaire. Et on peut, en particulier, en asservissant le signal de sortie pour rester au sommet de l'arrêt, asservir la fréquence de l'horloge et donc avoir une fréquence de l'ordre de 9, quelque chose gigahertz, qui sert d'étalon de temps. Et tout de suite, immédiatement, l'incertitude est passée à 10-14. C'est-à-dire qu'on ne parle plus d'une seconde sur un an, mais on parle d'une seconde sur un million d'années. Alors maintenant, on va rentrer dans des chiffres qui n'ont plus aucune, sur lesquels on n'a plus aucune intuition. Donc vous avez une horloge, deux horloges comme celle-là, qui auraient été construites donc, à l'origine de l'humanité, il y a à peu près un million d'années, ne dévieraient pas de plus d'une seconde l'une par rapport à l'autre. Alors vous allez me dire quel est l'intérêt. Eh bien, l'intérêt essentiel, c'est le GPS. Des horloges comme ça sont envoyées dans l'espace, dans des satellites, des dizaines de satellites qui tournent autour de la Terre. Ces satellites se synchronisent en s'envoyant des signaux l'un à l'autre, et ils se synchronisent avec une précision de l'ordre du milliardième de seconde par jour. Un milliardième de seconde, c'est la distance que parcourt la lumière, ça correspond à une distance de 30 cm. Donc ces horloges sont capables d'envoyer des impulsions lumineuses qui vont nous permettre de nous localiser avec une précision de l'ordre du mètre sur la Terre. Donc vous achetez ces petits appareils qui ne coûte pratiquement plus rien, et vous recevez des signaux de 3 ou 4 horloges, et par triangulation, embarqué dans un satellite, vous mesurez n'importe où sur Terre avec cette précision. J'insiste sur le fait que j'ai dit que les horloges se synchronisaient, mais la synchronisation des horloges n'est pas triviale, parce qu'elles bougent les unes par rapport aux autres, donc elles ne marquent pas le même temps. Elles sont dans un champ de gravitation différent, donc elles ne marquent pas le même temps non plus, et donc la relativité restreinte et la relativité générale interviennent. Sans les corrections relativistes, le GPS serait faux de plusieurs kilomètres. Autrement dit, tous ceux qui utilisent le GPS utilisent la mécanique quantique, la relativité restreinte et la relativité générale sans le savoir. Et c'est encore une application directe des travaux de Rabi. Dernière application des travaux de Rabi, c'est le développement des masers et des lasers. Alors vous avez ici, c'était toujours dans le même labo de Columbia, Towns n'était pas un étudiant de Rabi, mais il s'était installé dans ce laboratoire, il avait développé un jet atomique, un jet moléculaire, molécule d'ammoniac, et il avait construit une cavité qui permettait aux atomes d'ammoniac d'émettre des photons qui s'accumulaient dans la cavité, et il a obtenu un faisceau cohérent de micro-ondes qu'on a appelé un MASER, pour acronyme pour Microwave Amplifier by Stimulated Emission of Radiation, qui était l'ancêtre du laser. Ensuite, on a développé ça dans le domaine optique.
Alors, je donne également les dates. Charlie Towns, ici, avait une quarantaine d'années. En fait, il est mort quasi centenaire il y a quelques semaines. Et c'est vraiment l'un des pionniers de la physique moderne. C'est lui qui a initié donc, cette révolution extraordinaire qui a été celle du laser. Alors, avec un de ses collègues, Chalot, il a décrit comment on pouvait étendre ces oscillateurs au domaine optique. Et en 1960, les premiers lasers sont apparus. Laser, c'est l'acronyme, on remplace le M de microwave par le L de light, light amplifier by stimulated emission of radiation, et toutes les applications qui en sont résultées, la mesure, la lecture des CD, des DVD, la lecture des codes-barres dans les supermarchés, la technologie des fibres optiques, etc., etc. J'insiste sur le fait, à nouveau, que le laser vient d'une idée théorique, et c'est encore une idée d'Einstein, c'est la notion d'émission stimulée. Si vous prenez un atome qui est excité, il peut émettre un photon en tombant dans l'état fondamental. C'est ce qu'on appelle son émission spontanée. Mais si vous envoyez sur un atome excité un premier photon, l'atome va avoir tendance à en émettre un autre dans le même mode. C'est ce qu'on appelle l'émission stimulée. On peut dire que la lumière appelle la lumière. Un photon stimule l'émission d'un second photon. Et si vous avez beaucoup d'atomes, vous allez avoir un effet d'avalanche. Tous les atomes vont émettre des photons identiques. Et le laser fonctionne sur ce principe. Vous avez des atomes excités qui sont excités à l'aide d'un procédé, par exemple une décharge électrique. Ils sont placés dans une cavité qui permet à la lumière de faire des allers-retours. Et la lumière s'amplifie. En fait, elle accroche sur du bruit. Il suffit qu'il y ait un petit signal qui soit amplifié dans la cavité. Et vous avez ce faisceau laser qui sort. Et donc, le laser est né de ce genre de phénomène. Je ne peux pas parler du laser. Je veux simplement insister sur le côté extraordinaire de cette lumière. Les Américains disent que c'est une lumière fantastique, light fantastique. C'est une lumière qui est domestiquée. C'est-à-dire que c'est une lumière à laquelle on peut donner les propriétés qu'on veut et des propriétés extraordinaires. D'abord dans le domaine de l'intensité. On peut réaliser des faisceaux laser tellement intenses qu'on peut provoquer la fusion et l'évaporation de la matière. On peut également utiliser, dans l'autre sens, la pression de radiation pour refroidir et piéger des atomes. En d'autres termes, le laser peut réaliser dans des dispositifs différents, soit les températures qui règnent au cœur des étoiles, des millions de degrés, soit les températures les plus froides de l'univers, c'est-à-dire le nanodegré Kelvin. C'est-à-dire qu'on peut réaliser des variations de température sur 20 ordres de grandeur en se servant des lasers convenablement. Autre aspect essentiel du laser qui est la possibilité de réaliser des faisceaux ultra-stables de lumière, des faisceaux qui peuvent osciller sans manquer une seule période sur des millions de kilomètres. C'est-à-dire que vous pouvez faire de l'interférence en envoyant un faisceau à des distances de l'ordre de la Lune, le faire revenir et voir que la phase du faisceau qui vient et qui vient s'est conservée. Et par contre, vous pouvez fabriquer des impulsions très très courtes qui vont se propager, former des petits paquets de lumière de quelques angstroms, dizaines d'angstroms de long, et qui traversent la matière en quelques milliardièmes de seconde. C'est ce qu'on appelle l'attoseconde. Donc on peut atteindre des temps très très courts. Et à l'aide de ça, on peut faire de la stroboscopie qui permet d'étudier des phénomènes ultra rapides. C'était le sujet du dernier cours que j'ai fait tout à l'heure. Et là encore, je peux le rapprocher de physiciens du Collège de France. Marais, à la fin du 19e siècle, faisait de la stroboscopie, étudier des mouvements des corps à l'aide de dispositifs qui lui permettaient de distinguer, si vous voulez, de résoudre peut-être la milliseconde. Ici, nous avons 15 ordres de grandeur de mieux que la milliseconde, et ça, c'est grâce au développement des lasers. Une autre façon de dire les choses, c'est qu'en échelle logarithmique, une seconde, c'est vraiment le minimum de la perception humaine, une seconde est plus proche de l'âge de l'univers, qui fait à peu près 10 puissance 17 secondes, que de l'attoseconde, qui en fait 10 moins 18. Donc on est quelque part à mi-chemin en échelle logarithmique entre l'âge de l'univers et les temps les plus courts qu'on peut maintenant réaliser grâce au laser. Donc, je conclue ça en disant que c'est un outil extraordinaire pour la recherche fondamentale en physique, en chimie, en biologie, et pour des applications à la métrologie, à la médecine et aux communications. Je n'ai pas le temps de parler de tout ça, mais puisque j'ai parlé des horloges atomiques, je voudrais dire en quelques mots en quoi les lasers ont aidé et ont encore permis d'améliorer les horloges atomiques. La première amélioration, c'est utiliser les lasers pour refroidir les atomes. Au lieu d'avoir des atomes qui se déplacent à grande vitesse, on peut maintenant avoir des atomes qui vont tout doucement, et donc on va pouvoir les interroger plus longtemps, et donc augmenter la précision du laser. Quand les atomes vont lentement, ils sont soumis à la pesanteur,
Donc il faut fabriquer des fontaines atomiques. On refroidit les atomes grâce à des faisceaux laser, on les pousse vers le haut, les lasers montent et descendent, et ils traversent deux fois la zone radiofréquence, une fois à la montée, une fois à la descente. Et avec ça, on peut obtenir des franges de Ramsey, mais vous voyez, beaucoup plus fines que tout à l'heure, parce que le temps d'interaction est beaucoup plus long. Les franges de Ramsey sont 100 fois plus fines, donc l'incertitude devient 100 fois meilleure. Je vous parlais tout à l'heure d'une seconde par million d'années. Nous arrivons maintenant à une seconde sur 100 millions d'années. C'est-à-dire que ce n'est plus une question de régler deux horloges au début de l'humanité. On aurait réglé deux horloges à l'époque des dinosaures. Elles ne différeraient pas de plus d'une seconde maintenant. Ça, c'est un premier progrès lié au laser. Un deuxième progrès lié au laser, c'est de passer non plus à des fréquences micro-ondes, mais de caler le temps sur une fréquence optique. La fréquence optique, elle est 100 000 fois plus rapide que la fréquence micro-ondes, donc on a un gain potentiel énorme sur la précision. Pour cela, il faut disposer de lasers qui sont capables d'interroger un atome ou un ion unique. Voilà, ici, dans un dispositif expérimental, un piège à ions, la lumière diffusée par un seul ion de mercure, et en envoyant des lasers de très grande stabilité sur cet ion de mercure, on a pu stabiliser une horloge avec une précision extraordinaire. On peut faire de mêmes expériences avec des atomes froids. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais je vous dis simplement qu'on a encore gagné deux ordres de grandeur. Et maintenant, on passe non pas à une seconde sur 100 millions d'années, mais on passe à une seconde sur l'âge de l'univers. 10⁻¹⁸. Donc vous voyez ce chiffre qui réapparaît là. On est capable de faire, à ce niveau-là, le temps devient vraiment quelque chose de assez inconcevable. Et je vous montre une application récente. On a pu mesurer la différence du temps mesurée par deux horloges à ion unique séparées dans le champ de gravitation terrestre de 33 cm. C'est-à-dire que vous prenez deux horloges identiques, vous en montez une de 33 cm à cause de la théorie de la relativité générale, parce qu'elle se trouve dans un endroit un peu différent par rapport à la distribution de la masse terrestre. Elle va donner un temps différent. Et on voit, on mesure ce temps différent ici. En fait, on mesure, ce que l'horloge mesure, c'est, la différence est égale à 37 plus ou moins 15 cm. Donc, en fait, on se sert de l'horloge comme un altimètre pour mesurer la hauteur par rapport dans le champ de gravitation. Donc, tout ceci donc, nous amène à un type de physique qui a été le type de physique que j'ai enseigné pendant toutes ces années au collège, et je vais conclure là-dessus. Les horloges dont je viens de vous parler, elles permettent de contrôler. Elles sont réalisées parce qu'on peut contrôler le comportement d'un atome unique, de l'isoler et de l'étudier. Dans les pièges en question, en particulier ceux qui sont fabriqués par Dave Wineland à Boulder, on a un jeu d'électrodes qui permet de piéger les ions et on utilise des lasers pour les interroger, par exemple fabriquer des horloges. Nous, à Paris, on fait l'opposé. On piège des photons dans une cavité et on utilise des atomes qui traversent la cavité pour étudier le comportement de ces photons piégés. Donc ces deux types de physique sont en fait les deux faces d'une même médaille. Dans un cas, on manipule de façon non destructive un atome isolé, parce que l'atome est toujours là et on peut le réinterroger de façon consécutive. Ou bien, dans l'autre cas, on peut par exemple piéger un seul photon et l'observer en le faisant interagir avec des atomes. Et dans ces deux cas, c'est une physique donc importante par différence par rapport à ce qu'on fait avec des accélérateurs. C'est une physique in vivo. On ne détruit pas l'objet qu'on étudie. J'indique ici, ce sera le seul transparent qui se rapporte à ce que nous faisons, nous, dans notre groupe à l'AMS et au Collège de France. Donc, voilà, nos pièges, ce sont deux miroirs. Les atomes traversent ce piège et emportent de l'information sur le champ qui se trouve à l'intérieur de la boîte. Et grâce à ça, on peut manipuler de façon non destructive les photons, faire des tests de physique quantique, construire des états dits Schrödinger de lumière et étudier la possibilité d'appliquer ça à la théorie de l'information. Alors la grande question, c'est pourquoi faire cela? Pourquoi manipuler des particules quantiques isolées? Bon, je vous ai déjà montré qu'il y avait des applications, par exemple aux horloges, mais une question plus fondamentale qui est la simple curiosité. Est-ce que c'est possible? Comment se comporte la nature à ce niveau? Et cette question n'est pas tellement triviale, puisque même Schrödinger se l'a posée, et même il se l'a posée de façon négative. En 1952, il écrivait « Nous n'expérimentons jamais avec des électrons isolés, des atomes ou des molécules. Nous le faisons dans des expériences de pensée et cela conduit toujours à des conséquences ridicules. » Donc, la première raison fondamentale, c'est de montrer à Schrödinger qu'il avait tort et que les conséquences ne sont pas ridicules. Le fait qu'on puisse mesurer le temps de cette façon-là n'est pas une conséquence ridicule. De façon plus profonde, on peut dire que de petits systèmes, quand on rend les systèmes de plus en plus petits, on est capable de stocker de l'information avec une densité
par unité de volume de plus en plus grande. Et en fait, c'est ce qui est à la base de la loi de Moore. La puissance des ordinateurs provient du fait qu'on peut stocker de plus en plus d'informations. Or, la limite du stockage, c'est lorsque l'élément d'information va être porté par un seul atome. Donc, on arrive à la limite de la loi de Moore, et si on veut aller plus loin, il faut être capable de travailler sur cette information au-delà de la physique classique, c'est-à-dire d'utiliser la logique quantique, la notion de superposition d'états, l'existence de tas type Schrödinger de Schrödinger pour améliorer encore la puissance des ordinateurs. Je conclue en rappelant donc ce qu'on peut dire de cette histoire, c'est qu'il y a un dialogue permanent entre la recherche fondamentale et les innovations. L'observation de la nature conduit à des modèles théoriques, par exemple les équations de Maxwell. Ces équations prédisent des effets nouveaux, l'existence des infrarouges et des ultraviolets, par exemple. Ces effets nouveaux conduisent à des technologies nouvelles, et ces technologies nouvelles nous donnent des instruments qui permettent de faire des observations plus précises, de façon à nouveau à tester la nature, cette fois-ci de façon plus précise, et le tout est un espèce de cercle vertueux. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que cette physique qui date des années 1900, elle a conduit à des applications qui étaient absolument inimaginables par les gens de l'époque et même par les physiciens, et en particulier par Lord Kelvin, qui était le pape de la physique de l'époque 1900. 1900, c'était l'année de la grande exposition universelle. On pensait au progrès et on essayait d'imaginer quels allaient être les progrès du XXe siècle. Et voilà ce à quoi avaient pensé les gens en 1900. Ils pensaient que le XXe siècle, ce serait le transport en dirigeable, des hybrides d'avions et de bateaux, des téléphones un peu plus sophistiqués. Mais personne n'avait pensé au téléphone cellulaire, à l'IRM, au laser, à l'ordinateur, etc. Donc il est très difficile de savoir ce que nous prévoit le futur. On peut penser à des ordinateurs plus puissants ou à des simulateurs d'objets quantiques. On peut espérer des communications plus secrètes, en particulier la cryptographie quantique. On sait déjà qu'on pourra faire des mesures plus précises et qu'en particulier développer des systèmes GPS encore plus performants et des applications à la géophysique ou à la géodésie. Mais vraisemblablement, les applications vraiment révolutionnaires, on n'en a pas d'idée. Donc je conclurai en disant que il est difficile de faire des prédictions, qu'on doit garder à l'esprit les prédictions naïves de 1900, et donc il faudrait être aussi naïf maintenant et essayer de prévoir ce qui se passera en 2100. Ça me paraît très très hasardeux. Mais je crois qu'il y a une conclusion qui est sûre, c'est que sans recherche fondamentale, il n'y a pas de technologie nouvelle possible, et que le passé nous apprend que des applications extraordinaires émergent souvent de façon inattendue de recherches qui ont été motivées par la curiosité pure. Et tous les résultats que je vous ai donnés, ce sont des résultats inattendus au départ. Donc voilà, j'ai conclu là. Je voudrais dire quelques mots simplement en conclusion. Je voudrais dire que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces cours au cours des 15 dernières années, que le défi qui consiste à faire un cours nouveau tous les ans basé sur la recherche est difficile, mais qu'en même temps, ça procure beaucoup de joie et de plaisir parce que les premières années, vous pouvez exposer de façon relativement simple vos propres recherches, donc ça, c'est des années faciles. Et puis, lorsqu'on a épuisé ça au bout de quelques années, il faut commencer à s'intéresser aux recherches des autres. Et là, ça devient plus difficile, mais ça devient également passionnant parce qu'on apprend. Pour enseigner, il faut essayer de comprendre profondément les choses, de voir les relations entre elles et que ça apporte des idées pour sa propre recherche. Et donc, le Collège de France est un exemple parfait, par sa tradition et par sa mission, du lien que je pense essentiel entre l'enseignement, la recherche et la diffusion des connaissances. Je voudrais remercier à tous les auditeurs qui m'ont suivi fidèlement au cours de ces années et également tout le personnel technique, les régisseurs qui ont rendu ce travail agréable et facile, toute l'administration du Collège de France. Et je voudrais surtout terminer par dire quelques mots sur mon groupe de recherche. C'est une photo qui a été prise il y a quelques mois au-dessus des laboratoires de physique et de chimie qu'on occupe depuis le mois d'avril dernier sur la terrasse du Collège de France. Et je veux dire que tout ce que j'ai fait au point de vue de recherche, je n'aurais pas pu le faire sans ce groupe. En particulier, je voudrais à nouveau mentionner tout ce que je dois à Jean-Michel Raymond, à Michel Brune qui m'ont accompagné pendant très très longtemps. Et à tous les jeunes, la relève est bien assurée avec les jeunes chercheurs permanents du groupe, Sébastien Glaise et Igor Dotsenko, et également tous les autres chercheurs. Et je résume ça sur le dernier transparent. Je voulais
reconnaître également tout ce que je dois à tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, en tant que postdoc ou en tant qu'étudiant, ont travaillé dans le groupe depuis les années 70. Donc je suis content de voir que les anciens, en particulier Philippe Goy, qui était là depuis pratiquement le début, est ici aujourd'hui. J'ai mentionné également sur cette liste les pays d'origine des différents chercheurs. Et si vous faites la liste, à peu près la moitié sont des étrangers qui viennent de 20 pays différents. Et c'est vraiment le privilège de notre métier d'être sans arrêt en contact avec des jeunes qui viennent du monde entier, qui partagent la même passion pour la curiosité et pour le savoir. Et donc, je voulais dire que j'ai passé toute ma carrière à l'ENS, au laboratoire Castère-Brossel de l'ENS, qui était un centre extrêmement stimulant pour la recherche libre, et que maintenant je suis avec mon groupe au Collège de France, mais que nous avons gardé ce lien avec le laboratoire Castère-Brossel et qu'on essaye donc de bénéficier du meilleur des deux, l'environnement du laboratoire Castère-Brossel, mais également l'environnement du Collège de France avec la présence de collègues travaillant en chimie, en biologie et dans d'autres domaines de la physique, et également ce mélange de théoriciens et d'expérimentateurs. Et j'espère pouvoir continuer à en profiter, bien que je n'enseignerai plus ici, bien que je n'enseigne plus ici à partir de maintenant, pouvoir continuer à explorer les mystères et les nouvelles, disons, les nouvelles beautés que nous présenterons, la lumière et l'interaction de la lumière avec la matière. Je suis sûr qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir dans ce domaine. Je vous remercie. Thank you.